Salut tout le monde, c'est Dooms! Un jour, les peluches régneront sur le monde! Aujourd'hui, les amis, oui, c'était une intro assez bizarre. On se retrouve pour découvrir Maze, un jeu dans lequel, en fait, à ce que j'ai compris, deux scientifiques ont mal compris le mémo du gouvernement et donc, du coup, ils ont créé quelque chose de bizarre avec du maïs ou je ne sais pas quoi. Très peu d'informations à circuler sur ce jeu, mais j'avais envie de le découvrir. Ok, qu'est-ce qui se passe? Je viens de me réveiller. Oh là, ça bug. Oh! Ok, super, ça commence super bien. On a pris de la drogue! On tourne avec quoi? Du LSD? De la cocaïne? Bon, bah écoutez, on va suivre notre petit maïs. Oh là, ça bug. Oh là, qu'est-ce que tu me fais, toi, là? Oh, l'ordinateur! On m'a dit que t'allais par là. Ici, il y a une maison. Mais si j'ai pas envie, je fais quoi? Oh, je peux mettre ma main? Ça marche ou pas? Non, ma main n'est pas conforme. Quelqu'un aurait-il une main, s'il vous plaît, à me prêter? Ah non, mais attendez, si c'est un labyrinthe, on est dans la merde. Je veux que j'ai aucun sens de l'orientation. Oh? Ah oui, d'accord. C'est le bureau de la responsable, c'est ça? S'il vous plaît. Oh, c'est bon ça, c'est quoi, on dirait des pancakes? Ah, c'est des muffins. En fait, je vais passer un entretien, c'est ça? Ok, y a pas de soucis, je suis prête. Allez, vas-y, je m'assois et j'attends mon directeur. Bonjour, je viens postuler pour le poste de surveillant maïs. D'accord, là-bas, il y a le moulin. Moi, j'ai envie d'aller à la maison là-bas. Cette maison-là! Intéressant, nous avons une voiture de type morte. La porte est fermée, je ne dispose pas de la clé. Ça commence bien. Un poulailler. Ah bah là par contre, c'est ouvert. D'accord. Bonjour, bonjour, y a pas de poulet. Oh! Des clés, c'est ce qu'il me fallait. I have a keys. Puis j'ouvre cette maison. Yeah. Puis j'allume mes lumières. Non, d'accord, allez vous faire foutre. Un peu le bordel ici, hein. Ah. Oh mon dieu, qu'ils étaient laids. Oh mon dieu, j'espère qu'ils sont plus là. Désirez-vous un muffin dans votre grande bouche? Non, c'est malsain. Nous avons la cuisine, de type très sale. D'accord, j'ai pris ça. Je vais aller... Oh, c'est mignon. Intéressant, je peux mettre quelque chose dedans. Du jambon, c'est ça. Putain, je suis en train de prendre plein de trucs, quoi. Oh, je peux boucher. Et du coup, ça fait quoi? On s'en fout. Putain, mais en fait, je suis la femme de ménage, quoi. Night Clipper. Pour se couper les ongles. D'accord, j'ai de l'huile. Ah, c'est bon, je peux prendre des trucs. Ah bah non, je peux pas prendre des trucs. Oh là là, mais ça m'emmène où, tout ça? Open secret door. Non, mais moi, je veux me couper les ongles. J'ai pris un coupon, je vais m'installer là, et puis voilà. Bon, attendez, je vais y aller, je vais juste aller voir l'étage qu'il y a. Tiens, je dois mettre la caisse ici. Une seconde chambre de type très moche, papier peint déchiré de partout. Et avec... Polly Pink. Une pince. Mais qu'est-ce que... Qu'est-ce que je vais faire ici? Bon, écoutez, on va aller là-bas. C'est très sombre. Il manque du fuel! J'ai le fuel! Ah si, c'est pas ça qu'il te faut? Putain, sérieux. Encore une personne très moche. Et bah dis donc, c'est notre famille. Intéressant, ça donne ici. Alléluia! Wow. Bon, attendez, je retourne là-bas, il y avait un truc là, c'est pas possible. Et non, ce n'est pas de l'huile, puisque c'est une fuse box, il me manque un fusible. Mais je n'ai pas le fusible. Ah ah, ici il fallait mettre l'huile, pourquoi, je ne sais pas. Bon, le jeu a l'air de nous donner quelques petites énigmes. J'adore ça. Bon, je ne peux rien faire de plus dans la baraque, donc on va aller faire les alentours. Qu'est-ce qu'il y a ici? Oh, il y a des choses. Un clou, ça. Ah ah, d'accord. Oh, c'est des chiottes. Vous voyez les amis, vos grands-parents faisaient caca ici. Bon écoutez, on va retourner dans la baraque, j'ai un clou. Est-ce que ça peut servir? Putain, mais c'est une blague, c'est quoi ce jeu? Ah oui, c'est vrai, il y avait cette statue là. Qui êtes-vous monsieur? Vous êtes bien laid. Ok, super, je vais récolter plein de trucs, c'est bien. Je vais essayer. Ah bah voilà, ça marche. Sérieusement, j'avais besoin de ça. Voilà, et maintenant je monte. Intéressant, ici le grenier. Oh, ça c'est intéressant, il y a pas mal de choses. Oh, quelle horreur, j'ai horreur des nains. Oh mon dieu, espérons qu'ils prennent pas vie. Qu'est-ce que c'est ça? Quelque chose était placé ici, merci. Un malais ou je sais pas quoi. Ok, j'ai peut-être une idée avec le clou. On pourrait l'utiliser comme fusible. Oui, un clou peut servir de fusible. Mais ne pas à reproduire chez soi. Ok, j'ai restauré la power. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, j'ai un CD. J'ai un CD, c'est magnifique. Bonjour, j'ai un CD qui veut écouter de la musique. Bon, on va aller faire un tour ici. Y a-t-il des vaches? Y a-t-il des chevaux? Des poules et tout? Un balai, magnifique. Allez, je pars à bout de là. J'ai cru que c'était une main. Quoique, si, un petit peu quand même. Hein. Ok, d'accord, ça s'entraînait très dur, hein? Pour ressembler à son idole. Un petit corps de rêve, des seins plus gros que les miens. Le château d'eau. Je sais comment l'ouvrir. Ta-da, ta-da. Yeah, ouvrez-moi ça. C'est bien, c'est bien. Oh, j'ai pris un truc. D'accord, je me trimballe avec ça dans mon sac. Magnifique. Un vieux télescope, peut-être. Me servir? Ah, j'ai pris une truc là, une pince. Je m'en vais vers l'au-delà. Eh? What? Monsieur, ça va? Je pense pas. Je pense que vous avez souffert, monsieur.
Mais par contre, je suis très étonnée, vous avez encore vos cheveux. Vous me direz quel shampoing vous utilisez. Salut Maïs. Est-ce que c'est toi que j'ai vu tout à l'heure? Fais attention, j'ai une pince, je pourrais te couper les testicules, même si tu n'en as pas. J'ai un chapeau. Je le prends, gars. Ça te dérange pas? C'est quoi ça? J'ai une carte d'accès, non? Je vais prendre ton gant. Moi, j'ai un gant. Cousi, cousi, cousi. Bon, on va voir si les trucs que j'aime me servent. Voilà. Ah! Qu'est-ce que c'est que ce bordel? J'ai une main. Ah! Je sais à quoi peut servir cette main. Mais attendez, avant, je vais voir si ça peut servir aussi, si je meurs. Ok, j'ai fait un truc. Qu'est-ce que c'est? Bon, écoutez, je vois. J'ai mis à la main du monsieur. Je me balade avec la main du mec. Qui veut que je le tripote avec ma main? Aha! Aha! Et là, j'ai le disque. Il m'a encore un truc. C'est quoi ça? D'ADN? J'ai pas d'ADN. J'ai pas un pancake? Bon, ça, je sais où ça doit aller. Est-ce que ça va là? Ouais, c'est bon. Place. Ouais, bah voilà. Voilà. Et je peux le casser? C'est bon? J'ai trouvé la clé? Oh yeah les amis, on peut y aller! Je bouffe de... Oh putain, je suis perdu. Oh non. Ta-ta-la-ta-ta-la-la. Ça, c'est de la porte. Ok. Il est quoi? Oh god, je suis pas tout seul. Hey! 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 Ah! Salut les gars. You must answer a riddle before you're allowed to enter. Génial, je parle pas anglais. A doctor and his son are in a car accident. No, not that one. Say the one about the guy who hung himself with an ice block. You just gave that one away. Answer this one. What animal walks on four legs in the morning? Je vous laisse faire la traduction. Boring. I'm riddle president today. Je pense qu'ils ne veulent pas que je rentre. Oh, yeah. Je dois avoir une tête un peu bizarre. No, I've actually been a vote unclear on the election. Oh, we should be helping with that. An empty bus pulls up to a stop and 10 people get on. At the next stop, 5 people get off, and twice as many people get on as at the first stop. At the third stop, 25 get off. So, which one of us is named Jim? Okay, d'accord, on sait que son nom c'est Jim. I thought he was Jim. No, that's Bill. Where's Bill? You're Bill. Oh, that's right. Tu es Bill. You may as well enter as we sort this all out. Let's hope you're better than the last one. Okay, d'accord, il me laisse entrer après un petit débat. Oh, and watch out for our brother down there. Salut. He's a bit odd. Ok. C'est quoi ce jeu, what the fuck? Bon, bien voilà les amis, la découverte de ce petit jeu s'arrête ici. Pour ceux qui sont intéressés, il est disponible sur Steam. Il est payant. Par contre, il est qu'en anglais, donc ça fait un peu chier si t'es un noob comme moi. Après, si t'es bilingue, fais-toi plaisir. On peut dire que ça a l'air d'être un petit jeu d'exploration d'énigmes. Enfin bref, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire. Je ne pense pas le faire parce que, de une, mon ordinateur a du mal à le supporter, je sais pas si c'est si vu. Et de deux, en ce moment, c'est assez difficile pour moi de faire un let's play et de m'y tenir avec mon emploi du temps de merde. Sur ce, les amis, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, ciao.